crazy mother. Put me there, you put me there, to see what's behind stone doors. Oui, donc bonjour à tous et à toutes, c'est Ant. On se retrouve sur une vidéo sur Minecraft en compagnie de monsieur Omer R6S. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici sur cette vidéo pour vous présenter un bug pour pouvoir multiplier vos diamants. Comme vous le voyez ici, j'ai 64 de diamants et je vais vous montrer. Voilà, et nous, on ne s'est jamais mis en créatif parce que c'est une survie réelle. Hein. Vous pouvez demander à Omer, je suis sur la map de Omer. Il n'a pas mis normalement, le droit d'hôte. Le droit d'hôte qui permet de vous mettre en créatif ou de changer en tout. Ce bug là ne peut se faire que en survie. Je le répète, que en survie. Et cette machine là, comme vous voyez là, vous permet de multiplier en deux fois normalement ce stack que vous voyez là de diams. Après tout, ça marche pas à tous les coups. Ouais, ça marche pas à tous les coups. Et il faut être bien sûr obligatoirement deux pour utiliser cette machine. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui va... Bon, la personne qui va aller là va devoir remplir ceci. Bon, bien sûr, vous mettez pas les blocs, mais vous mettez d'abord tous les diams que vous avez. Va devoir aller chercher dans la table de craft ou pouvoir multiplier le diams, ce qui veut dire ici. La personne qui est là où moi je me trouve, vous allez devoir spam votre bouton croix pour la PS4, bien sûr. Je ne sais pas si ça marche sur les autres consoles ou autres, quoi. Ça marche sur Xbox. Je pense que oui, personnellement, après, je sais pas. Pour PC, ça dépend des mises à jour. Après, je sais pas si ils ont réglé, mais normalement, comme c'est un truc d'usine, comme les usines, je pense pas qu'ils doivent, ils vont toucher à ce bug. Normalement, ça doit marcher. Voilà, en tout, faut spam ce bouton et bien sûr, ne jamais quitter ce poste tant que ce n'est pas fini. Et votre collègue doit activer ce bouton là pendant que vous vous occupez de celui-ci. Parce que si vous activez celui-là et que vous arrivez beaucoup trop tard, vous n'allez pas gagner autant que ce qu'on peut gagner. Alors, on va vous faire des démonstrations avec du diams. Hein, parce que, bon, de base, on en a vraiment beaucoup du diams. Hein. On va dire que sur 100% de diams, il n'y avait que 10% de vrai et le 90% du dupliqué. Hein. On va dire. Hop, alors on va remettre le bloc de diams en diams. Après, ça peut se faire avec. Il faut combien à peu près maximum de diams pour pouvoir les dupliquer? Tu diras toi. Bah 9, mais après faut le refaire et refaire. Ouais, si voilà. On n'arrive pas à dupliquer, ça marche pas à tous les coups. Des fois ils vont pas vouloir et des fois ils vont vouloir, hein, ce jeu. Hein, c'est tout un. Il est capricieux ce jeu. Alors voilà, là j'ai mis tout le diams. Omer va déclencher ceci dès que je serai prêt, faudra que je lui dise. Alors je vous montre un peu encore la machine. Il vous faut 3 torches de redstone, une table de craft, un dropper et un petit coup de redstone ici. Voilà. En tout, vous placez sur la table de craft. Je me mets ici, je spam le bouton et Omer, vas-y, déclenche. Parfait. Ok. Et normalement, voilà, comme vous venez de le voir, au lieu d'avoir 2, j'en ai eu 3, et là, comme vous voyez, dès que ça arrive à 9, j'en gagne 2 au lieu de 1. Voilà. Alors, ne faites pas attention au lag, c'est comme dit Homer, c'est la sauvegarde auto qui se met. Après, ça dépend, c'est peut-être la queue aussi, mais enfin, je sais pas, mais souvent quand ça lag, ça sauvegarde auto. Ok, et comme vous le voyez. Là, sauvegarde auto. Ouais. Là, comme vous le voyez, on gagne vraiment le double de diams. Je sais pas si vous le remarquez. En plus, j'ai laissé le son exprès. Alors, cette machine, si j'étais vous, le son, je le mettrais pas. Là, je l'ai mis exprès pour que vous puissiez vraiment entendre le bruit que ça fait. Je l'ai mis à 10% le son. J'ai pas mis vraiment fort parce que sinon, ça va m'éclater les oreilles. Ça va aussi éclater les vôtres. En tout, je me suis dit, voilà. Bon, là, les gars, je vais vous raccourcir le temps. On se retrouve dès que c'est terminé. Vas-y. Donc voilà les amis, comme vous le voyez, on se retrouve avec nos blocs de 1 stack au début. Et là, nous sommes à 38 de blocs de plus et 4 diamants. Comme vous voyez, il y a eu 38 blocs de plus qui ont été farmés. En tout, voilà, vous gagnez vraiment beaucoup de diams en plus. Après, il y a quelques petits fails. Hein. Ouais, il y a des petits fails comme vous voyez. Là, j'ai pas gagné exactement le double, mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même pas mal. Alors là, on va retransformer ce diamant en. Genre ces blocs de diamant en diamant pour voir exactement combien de stacks on a gagné. Surtout que en se disant que on a mis 9 stacks de diams dans la machine.
Déjà tu comptes 9 stacks, après bah un bloc c'est 8. Et voilà, alors attention, on va remettre les 9 stacks et voilà. Voilà, en tout là c'est tout ce que on avait mis, ce que j'avais mis en bas, et là on a gagné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5 stacks plus 26 diamants en plus. Et je peux vous dire que ça, vous êtes bien content. Et vous pouvez faire exactement la même chose avec le fer, les blocs de charbon, l'émeraude, les blocs d'or, blocs de lapis, je pense pas l'obsidienne, non. Non, c'est qu'à partir de minerai en fait. Voilà, c'est qu'à partir de minerai. En tout cas, il vous faut minimum 9 de minerai que vous voulez dupliquer. Après, c'est compliqué, c'est pour ça qu'il faut être à 2. Parce que si vous arrivez directement à 9 dès que vous êtes sur la machine et que vous n'avez pas réussi à arriver en temps, genre à temps quoi, ça sera pas possible de dupliquer. C'est pour ça qu'il faut être forcément 2. Après, je pense que quand vous arrivez à un nombre énorme, je pense que vous pouvez être tout seul. Mais ça vous garantit beaucoup moins de succès que être à 2, personnellement. Après, vous faites ce que vous voulez quoi. Et après, bah, ça se fait vraiment avec tout. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. Je remercie à Omer bah, de m'avoir présenté cette machine, parce qu'il sait que je fais des petites usines. Mais là c'est un petit bug sur Minecraft là, que je pense que ça va intéresser quand même pas mal de monde. Je sais pas si ça marche sur Android, tu sais, sur tablette et tout. Alors ça je pourrais je pense pas dire que oui, mais il faudrait qu'il y a peut-être des manettes je sais pas, mais je pense que... Je sais pas exactement, parce que je sais qu'il y a quand même des gens qui jouent sur Minecraft Android. Après, pour spam votre Android, je sens que ça va être très compliqué. En tout, voilà. Après, ça dépend, hein. C'est la petite édition, donc c'est plus compliqué. Il y a peut-être des trucs qui sont pas présents par rapport ouais, à la c'est ça. Ouais, je pense que sur la Pocket Edition, je pense que ça peut. Je pense qu'il y a tout ça, je sais pas exactement, mais. J'y ai joué vite fait quand j'avais pas ma PS4. En tout cas, voilà, les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme vous l'avez bien remarqué, on peut dupliquer, bah, comme ce qu'a dit Omer, tout ce qui est minerai et qu'on peut transformer en bloc. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de OmerR6S. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en description pour la première fois que je le fais dans ma vie. Oh putain, c'est gentil. Allez, à la prochaine vidéo. Tchuss.